propose qu'on fasse un test, quoi. Alors, bonjour et bienvenue à ce culte. On s'est regroupé en ligne car on peut pas se voir. Pour un culte vidéo. La semaine passée, on avait... Première vidéo présentait les cartons du cœur des environs. La deuxième vidéo, c'était le témoignage d'un aumônier de Python. Nous prions. Merci à Dieu de nous donner à manger. Désolé à toutes les personnes aux qui j'ai fait du mal. Merci de me procurer du bonheur à tout instant. Pardon d'avoir déjà rendu triste certaines personnes. Merci pour ta gentillesse. Pardon pour le mal que j'ai déjà pu procurer. Je te remercie de me suivre dans la vie quotidienne. Mais je suis désolée pour toutes les choses que j'ai déjà laissées tomber. Merci pour le pain que tu nous as donné. Mais désolée de l'avoir mangé si vite. Désolée d'avoir blessé des gens. Désolée de ne pas toujours être heureuse. Désolée de ne pas être parfaite. Merci de m'avoir toujours donné de l'amour. Merci de me laisser être moi. Merci de me laisser voir les gens que j'aime. Merci de me laisser faire mes propres choix. Merci d'avoir la santé et d'être entourée de bonnes personnes. Merci d'avoir une famille sur qui compter. Amen. De 20 francs. Un simple bout de papier. Et pourtant, il peut prendre des valeurs tellement variées. Tout dépend de l'étage auquel on habite. Regardez, quelqu'un qui habite une propriété privée en attique. Ou alors, quelqu'un qui habite un appartement loué au 5e étage. Ou quelqu'un qui loge un tout petit studio à côté de son garage. Ou encore quelqu'un qui n'habite pas parce qu'il n'a nulle part où habiter. Eh bien, avec un billet de 20 francs, on ne va vraiment pas faire les mêmes courses. Les temps de crise, tout le monde en connaît. Les catéchumènes ont reçu par la poste une lettre contenant 20 francs et les consignes pour leur séquence de caté à distance, justice, injustice. Dans cette lettre, ils étaient invités à se rendre sur le site du caté pour trouver le témoignage d'un aumônier de prison ainsi que de la présidente des cartons du cœur de la ville de Bienne. Suite au visionnage de ces deux témoignages, ils étaient invités à réagir en vidéo. On va commencer par les réactions du témoignage de l'aumônier de prison. Pour l'Église, c'est important d'être là où sont les gens, y compris dans les lieux difficiles d'une existence. C'est là où on met les aumôneries, justement. Qu'est-ce qu'un pasteur peut apporter à quelqu'un qui a fait un délit grave ? Un pasteur comme visiteur, vous en pensez quoi ? Parce que j'avais jamais entendu parler de ça. Et je trouve que c'est une idée géniale, en fait. Parce que déjà qu'un prisonnier, il peut avoir quelqu'un pour parler, c'est cool. Et il peut dire, il peut vider, il peut dire ce qu'il pense, dire ce qu'il a sur son cœur et tout. Je trouve que c'est génial. J'ai trouvé bien que des personnes ou bien des pasteurs viennent voir des prisonniers pour leur parler, alors aussi pour passer du temps avec eux justement, parce que voilà, les prisonniers sont beaucoup seuls et il n'y a personne qui mérite ça.
Mais je trouve ça super qu'il y ait des gens qui aillent visiter les prisonniers. Qui a de l'empathie pour moi, même s'il n'est pas forcément d'accord avec ce que je dis, avec ce que je pense ou avec ce que j'ai fait. Bah, ce qu'il peut apporter, c'est le questionnement. Pourquoi le criminel a fait ça? Moi, si je me mets à la place d'un prisonnier, j'aimerais quelqu'un qui m'écoute. Ça doit être vraiment dur, parce que 23 heures en prison, sans personne, vraiment, je trouve bien qu'il y a quelqu'un qui vient comme ça parler avec eux. Bien sûr, après, c'est eux qui décident s'ils le veulent ou pas. Ils peuvent se poser des questions, des problèmes qu'il y a eu dans sa vie, etc. Et je trouve que ça, c'est très important. Pour aussi aider une personne à se livrer, et quand on se livre, ça aide aussi à avancer. Je pense que les personnes qui sont là-bas ont besoin de ça, car au bout d'un moment, ça pourrait les rendre fous, dingues, de ne plus pouvoir voir de personnes. Et maintenant, on regarde les réactions au témoignage des cartons du cœur. Et la pauvreté est cachée, Abine, on ne la voit pas. Déjà, j'ai été surprise qu'on avait des cartons du cœur à Vienne. Ben, je n'étais pas du tout au courant. Surtout que ben, la pauvreté, c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde à n'importe quel moment. Le chiffre 950, ça m'a encore plus surpris parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant de personnes en besoin à Vienne. Ce chiffre me fait penser qu'il y a trop de personnes qui n'ont pas à manger et qui doivent demander de l'aide à des associations telles que les Cartons du Cœur. Enfin, ils ont 4 à 5 livraisons par jour. Déjà, c'est beaucoup. Puis surtout maintenant, à cause du coronavirus, ben, ils ont 6 à 8. Je trouve ça vraiment énorme, surtout par jour. À Vienne, on le voit pas forcément parce que... Ben, je ne sais pas en fait pourquoi on ne le voit pas. Quelque chose qui ne devrait pas exister. Avoir reçu les 20 francs pour pouvoir aider les Cartons du Cœur, à aider ceux qui sont en besoin, c'est aussi une bonne initiative. L'idée de donner 20 francs à tous les enfants qui font le catéchisme, c'est une idée qui m'a beaucoup plu, car ben, c'est toujours un plaisir d'aider les gens qui en ont besoin. Une petite action du quotidien, rien qu'avec 20 francs, on peut faire quelque chose. Pour en fait arriver le plus proche de 20 francs, en ayant le plus de produits. Parce qu'avec 20 francs, c'est très compliqué quand même d'acheter pas mal de produits. Du coup, s'il y a des actions, ça peut être pas mal. Surtout essayer de se mettre dans la peau de la personne, genre avec 20 francs, qu'est-ce qu'on peut acheter de plus? Je trouve ça excellent de pouvoir aller nous-mêmes choisir nos propres produits qu'on pense être le mieux pour les gens qui en ont besoin. En allant faire vos achats pour les Cartons du Cœur, à quoi allez-vous réfléchir avant de prendre un produit? Déjà, avant d'aller au magasin, toute première chose, il faut faire une liste, je pense. Puis en réfléchissant, qu'est-ce que ça peut apporter à la famille? Alors, en achetant la nourriture pour les Cartons du Cœur, je vais penser surtout à la date de péremption. Donc, ce qui est important, c'est quelque chose qui se conserve longtemps. Du coup, j'ai plutôt pris des achats que la personne aurait besoin, justement, si elle appelle en urgence. Justement, ça veut dire, par exemple, des choses comme elle a dit dans la vidéo, de la polenta, du riz, des pâtes, des choses comme ça. Justement, pas des produits laitiers qui périment si on n'a pas de frigo. J'ai aussi acheté des trucs importants comme de la farine, du sel, des produits de douche. Donc on a acheté des pâtes, du riz, des cornflakes, de la farine, etc. Plutôt équilibrer les deux. Je vais faire 10 francs à manger, 10 francs pour l'hygiène, genre des produits. J'ai regardé pour la qualité, mais j'ai quand même pris les trucs les moins chers. Parce que comme ça, je pouvais prendre plus de choses. Apprendre à chercher plutôt des actions. Moi, je vais réfléchir d'abord. Je vais prendre un truc qui coûte pas cher, mais où il y a beaucoup de quantité. Acheter plutôt des grosses boîtes de conserve, surtout que ça revient moins cher, plutôt qu'acheter deux petites boîtes de conserve. Donc, quand je suis rentrée dans le magasin, j'ai déjà regardé, avec ma maman, je lui ai posé la question, lesquels produits ça se garde le plus longtemps.
Ben moi, je pense que ce qui est très important, c'est de trouver des produits qui se conservent un maximum. Pensez à moi. J'ai pensé à ce qui me serait utile ou ce qui me ferait plaisir. Alors moi, quand j'ai fait ma petite mission, je me suis toujours posé la question si ce produit, il était de première nécessité et si les personnes dans le besoin allaient vraiment l'utiliser. Il faut aussi que ce soit des produits qui nourrissent bien, parce que si on achète, je sais pas, des bonbons par exemple, ils ne vont pas pouvoir se nourrir avec ça. Par exemple, j'ai acheté des bonbons ou une bougie parce que je trouve que ça fait toujours plaisir aux gens. Par exemple, pas acheter des conneries, par exemple des chips. Ça pourrait faire plaisir à la famille, mais c'est pas nourrissant. Mais par exemple, je n'ai pas acheté de maquillage parce que du maquillage, ce n'est pas utile vraiment dans la vie de tous les jours. Je vais aussi prendre des trucs qui leur feraient plaisir, comme du chocolat et tout, parce que tout le monde y a droit quand même. Et après, je l'ai pris du dentifrice et puis du shampoing pour sentir bon quand, par exemple, on va au travail ou à l'école. Puis j'avais encore pris du chocolat et puis du thé pour comme dessert, peut-être le soir avant d'aller au lit. J'ai sélectionné les produits que j'aime aussi. Comme ça, ça met un peu une petite touche personnelle. Donc, tout d'abord, je vais penser aux choses que moi j'aime. J'ai aussi pensé à ce qui pourrait faire plaisir aux gens et ce qui me ferait plaisir à moi si je serais dans cette situation. Il me restait de l'argent et je voulais aussi leur faire un plaisir parce que je voulais leur faire un plaisir. Du coup, je suis allée acheter du chocolat aussi. J'espère qu'ils aimeront les produits que j'ai achetés. Ce qui est positif, c'est qu'on soit solidaire avec les bénévoles, qu'on leur donne de la nourriture. C'est un réel plaisir en tout cas pour nous deux de lutter contre la pauvreté. On a choisi cette interview parce qu'on trouve que c'est à manger ce qu'ils ont fait. Surtout, ils n'ont pas été obligés et c'est à manger envers les pauvres. Les personnes qui travaillent bénévolement pour les cartons du cœur, j'aimerais juste leur dire un grand bravo qu'ils ont décidé de faire ça. Et ça, je trouve vraiment, vraiment très, très sympa. La dame de notre histoire, elle aurait certainement habité un immeuble comme celui-ci si elle avait été d'aujourd'hui. Mais elle est d'une autre époque. Elle habite toute seule avec son fils et il est toute sa richesse. Cette période qu'elle traverse actuellement est une situation de crise. Oh, vous me direz qu'on est tout le temps en situation de crise. Oui, déjà à l'époque. Elle voit un homme qui marche dans sa direction. Elle espère qu'il ne s'arrêtera pas, qu'il ne lui demandera rien. Il y a peu de voyageurs, mais elle sait que le moment est difficile pour tout le monde et qu'il aurait certainement besoin d'aide et qu'elle ne pourrait pas l'aider. C'est si dur de savoir qu'on ne peut pas aider. Il lui demande « Est-ce que tu aurais à boire ?» Ouf, la voilà soulagée. Si c'est que ça, oui, de l'eau elle en a récolté tout à l'heure. C'était prévu pour son fils, mais elle peut lui en donner un peu à cet homme. Il savait pertinemment qu'il la rencontrerait, que c'est son Dieu qui le lui avait dit, et qu'elle lui donnerait à boire et à manger. À ces mots, son estomac semble se décrocher et tomber comme un oiseau mourrait en plein vol. Non. Tu te trompes, lui dit-elle. Je ne possède rien. Sais-tu ? Elle lui explique. Chez moi, il me reste un peu de farine. L'homme lui répond pourtant, tu ne dois pas avoir peur. Mon Dieu a fait cette promesse. Rentre chez toi, fais une galette et apporte-la moi. Car Dieu assure qu'il y aura toujours suffisamment à boire et suffisamment à manger tant qu'il veillerait sur nous. En voilà une belle histoire, se dit la femme. Et son Dieu, à elle, l'a-t-il oublié? Pourtant, elle tourne les talons, elle rentre chez elle et elle fait ce qu'il lui a dit. Quand son fils la voit arriver, il est soulagé. Il a faim, mais il ne le dit pas.
Elle prend le bol qui contient la farine. Elle verse, il reste si peu. Elle fait une galette. Quand l'enfant la pose sur la pierre pour la faire chauffer, il sent son ventre grogner. Voilà qu'on dirait que, en cuisant, la galette prend du volume. Peut-être qu'il y en aurait assez cette fois-ci. Mais sa mère lui dit non. Non, celle-là n'est pas pour nous. Tiens, porte-la à l'homme que tu vois assis sur cette pierre. Il la regarde. Mais pourquoi n'en fais-tu pas une pour nous? Enfin, mon fils, tu sais bien qu'il ne reste rien. Et pourtant, au fond du bol, il reste un peu de farine. Et quand elle tape sur les bords, de la farine tombe encore. C'est bien beau tout ça. Mais est-ce que tout à l'heure, avec nos 20 francs, si on va faire des courses, on pourra remplir pour autant le caddie? Et si j'ai rien à donner, comment je fais? Et juste un sourire. Juste 5 minutes sur le palier de la porte pour échanger quelques mots avec quelqu'un qui n'a plus parlé depuis longtemps. Juste offrir un moment de présence, un téléphone, un appel, une lettre. Ça ne coûte rien. Et pourtant, c'est déjà aidé un peu. Il y a beaucoup d'injustices dans le monde, mais nous pouvons nous adresser à Dieu pour qu'il nous encourage et nous donne de la force pour nous engager pour plus de justice. Et c'est pour ça que nous prions notre Père, nous t'adressons nos demandes pour qu'il y ait plus de justice dans le monde. Que les guerres cessent pour éviter de blesser des innocents. J'aimerais qu'on donne une maison aux personnes qui sont à la rue. Je souhaite que tu aides avant tout les pauvres, offre-leur de quoi vivre, les orphelins, donne-leur une personne à qui ils peuvent se confier, les personnes qui vivent en zone de guerre, donne-leur de la sécurité, et les personnes qui vivent avec la faim, donne-leur de quoi se nourrir. Que les pauvres d'aujourd'hui deviennent les riches de demain. Nous pouvons être confiants que Dieu entende nos prières et nos demandes. C'est pour ça qu'on dit Amen. Ainsi soit-il.
Alors, nous voilà à la fin de notre culte. Grand merci aux catéchumènes de 10e Armos, de la paroisse de Ronchâtel, la paroisse de Bienne. C'était vraiment super de vous voir comme ça. C'est un petit peu particulier, mais au moins, ça fait plaisir qu'on se revoie. N'oubliez pas que finalement, Dieu n'a pas d'autres mains que les nôtres. Donc, si on aimerait plus de justice dans le monde, il faut s'engager pour. Et puis maintenant, pour terminer notre culte, on va vous inviter, on va vous donner quelques idées de qu'est-ce que vous pourriez faire autour de vous pour qu'il y ait plus de justice dans le monde. Alors déjà, on vous invite à aller faire des achats au prix que vous voulez pour les cartons du cœur, dans le but d'aider les gens qui sont dans le besoin et qui ont faim. On vous invite à faire comme nous à l'aide de 20 francs. Faites des achats et amenez-les mardi le 24 novembre 2020 de 6h à 8h à la source. On vous invite à rendre visite à des personnes ou votre entourage sans oublier votre masque, votre désinfectant et la distance. Ou alors téléphonez simplement, faites-leur un petit coucou et ça leur fera plaisir. On vous invite aussi à faire un petit geste aux personnes que vous aimez. Par exemple, de leur offrir un petit bouquet de fleurs, par exemple à vos grands-parents ou à vos amis, quelque chose qui fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé et merci de participer. Bonne justice et au revoir.